tester. Tester son efficacité, les inconvénients qu'il y a, pour mieux l'améliorer. Tester. C'est bien le but de l'évaluation technico-opérationnelle de la tenue de protection nucléaire, radiologique, biologique et chimique de Félin. Il s'agit de vérifier la conformité des prototypes livrés avec le cahier des charges. La STAT, section technique de l'armée de terre, mène cette évaluation. Aujourd'hui, avec les chasseurs alpins du 13e ABCA, c'est la mise au point des tailles de masques qui est vérifiée. La Direction Générale pour l'Armement apporte ici son expertise technique. Ce test, c'est pour vérifier le facteur d'adéquation entre le masque et le porteur. Donc on regarde si le masque est bien positionné, si la taille correspond bien au porteur. Et donc on compte le nombre de particules qu'il y a dans l'atmosphère et on vient prélever dans le dispositif d'alimentation liquide le nombre de particules qu'il y a dans le masque. Et le rapport des deux nous donne le facteur d'adéquation entre le masque et le porteur. Toutes les configurations techniques et tactiques sont évaluées. Étanchéité, résistance à l'effort, endurance, rien n'est épargné au matériel comme au personnel. C'est chaud, la ventilation ça va être bien. Il fait plus froid, respire mieux. On vous la met dans le dos. Hein. Non, restez attaché. On va vous la mettre dans le dos. Aujourd'hui, on ne risque pas d'avoir de problème de coup de chaleur parce qu'ils sont aérés, ventilés, refroidis un petit peu par l'air qui est diffusé dans le visage. Mais demain, on va passer dans une configuration différente et on va travailler avec la centrale éteinte. Et après-demain, on va travailler avec le masque uniquement avec la cartouche. Donc on aura des comparaisons avec des températures, des relevés de température, hygrométrie. Il faut penser à tout. Chaque défaut doit être repéré puis corrigé par l'industriel. Bon, penser à tout, c'est un bien grand mot, mais il y a encore quelques petites améliorations à faire, c'est bon. Le tuyau, voilà, donc ça c'est le problème. Le problème pour les gros gabarits, pour les petits gabarits de 1,65 m, 70, ça va très très bien. La longueur de tuyau est de 70 cm. Ce qu'on souhaiterait avoir et obtenir, c'est pour cela aussi qu'on vient ici aujourd'hui, c'est d'augmenter la longueur du tuyau pour les grands gabarits. Après 2 ans de tests et de modifications, l'évaluation technico-opérationnelle de la tenue Félin NRBC arrive à son terme. Parfaitement adaptée aux combattants félins et répondant aux exigences fixées, les premières livraisons devraient avoir lieu dans les prochains mois.